C'est quoi le Saint-Esprit, frère Mathieu? Tu sais, sœur Jeanne, il est écrit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu sais, le Saint-Esprit est une puissance envoyée par Dieu pour accomplir différentes fonctions et œuvres sur la terre. Il a joué un grand rôle dans la conception miraculeuse de Jésus-Christ. Sa présence s'était manifestée lors du baptême de Jésus et son action dans le ministère de Jésus. D'accord, frère Mathieu. Tu sais, Jeanne, dans la vie des croyants, le Saint-Esprit est censé accomplir plusieurs rôles importants. Il est considéré comme un guide et un enseignant spirituel. Il aide les croyants à comprendre les vérités divines et à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Il aide aussi les croyants à la transformation spirituelle et à leur sanctification. Merci pour ta réponse, frère Mathieu. De rien, sœur Jeanne. Dis-moi, frère, comment reconnaît-on qu'on est rempli du Saint-Esprit? Tu sais, Jeanne, pour reconnaître qu'on est rempli du Saint-Esprit, premièrement, nous ressentons une paix intérieure et profonde dans notre cœur, même au milieu des difficultés. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu, de tout notre cœur, et à respecter ses commandements. Il nous pousse à aimer les autres de manière sincère, sans hypocrisie, en mettant leurs besoins avant les nôtres. Troisièmement, le Saint-Esprit transforme notre caractère. Il travaille en nous pour nous aider à développer des qualités positives, telles que la gentillesse, la patience et la maîtrise de soi. D'accord, Mathieu. En quatrième position, lorsque le Saint-Esprit est présent dans nos vies, nous pouvons voir les fruits de l'Esprit se manifester en nous, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. D'accord, frère, je comprends mieux maintenant d'où me venaient ces qualités. D'accord, sœur. Tu sais, en cinquième position, nous ressentons une direction, une conviction intérieure, lorsque nous écoutons et suivons la voix du Saint-Esprit dans notre décision et nos actions. En sixième position, parfois nous pouvons vivre des moments où nous ressentons une présence spéciale du Saint-Esprit, une profonde communion avec Dieu, ou des manifestations de dons spirituels, tels que la prière en langue. D'accord. Tu sais, sœur, il est important de noter que la présence du Saint-Esprit dans notre vie est un processus continu et que nous avons tous des moments où nous sommes plus conscients de sa présence que d'autres. Il est bon de chercher à cultiver une relation étroite avec Dieu, de prier et d'étudier sa parole pour nous ouvrir davantage à l'action du Saint-Esprit en nous. D'accord, merci beaucoup, frère Mathieu, pour tout ce que tu venais de me dire. Je pense que cela édifiera certainement quelqu'un. Tu sais, j'avais encore une dernière question à te poser. D'accord, vas-y, sœur. Comment peut-on recevoir l'Esprit de Dieu en nous, en tant que chrétien? Tu sais, sœur, en tant que chrétien, recevoir le Saint-Esprit est souvent associé à une expérience spirituelle spécifique, appelée baptême du Saint-Esprit. Voici quelques étapes et conseils sur la manière de recevoir le Saint-Esprit, Jeanne. D'accord, frère. Premièrement, nous devons croire en Jésus-Christ. La première étape est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, en acceptant son sacrifice sur la croix, pour le pardon de nos péchés, et en le recevant comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, nous devons prier et demander de tout notre cœur. Tu sais, il est important de prier humblement à Dieu et de demander spécifiquement de recevoir le Saint-Esprit. D'accord, et comment peut-on adresser cette prière à Dieu? Peux-tu nous donner un exemple, s'il te plaît? Mais bien sûr, Jeanne. On peut dire par exemple, « Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et sincère. Je crois en Jésus-Christ, ton Fils, et je désire vivre pleinement de la plénitude du Saint-Esprit. Je reconnais que j'ai besoin de ta puissance et de ta présence dans ma vie. Seigneur, je te demande humblement de m'accorder le don du Saint-Esprit. Je veux être rempli de sa sagesse, de son amour
et de sa puissance. Je veux être transformé par son action en moi pour vivre selon ta volonté et pour témoigner de ta grâce et de ton amour aux autres. Je me soumets à toi, ô Dieu, et je te demande de purifier mon cœur de tout péché et de toute résistance. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de me guider, de m'éclairer et de me fortifier dans ma vie quotidienne. Je te fais confiance, Seigneur, pour répondre à ma prière et me donner le Saint-Esprit. Je reçois avec foi cette promesse, sachant que tu es fidèle et que tu réponds aux prières de ceux qui te cherchent avec sincérité. Je te remercie, Père, pour ton amour infini et pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'adresse cette prière et je m'attends à ta réponse merveilleuse. Que ton nom soit puissamment magnifié et exalté, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Oh merci frère, pour cette merveilleuse prière. Cela fera certainement du bien à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est le but, sœur. Que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Tu sais sœur, il est écrit dans Jean 7 verset 38 à 39, ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il est aussi écrit dans Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » D'accord, merci beaucoup pour ces versets, frère. De rien, Jeanne. Troisièmement, il est essentiel d'ouvrir son cœur et de se soumettre à Dieu. Cela implique d'abandonner toute résistance ou péché connu et de permettre au Saint-Esprit de travailler en nous, de nous purifier et de nous transformer. D'accord, Matthieu. En quatrième position, nous devons rechercher la communion avec Dieu. Tu sais, il est bénéfique de passer du temps dans la prière, la lecture de la Bible et la méditation afin de renforcer notre relation avec Dieu. Lorsque nous cherchons à connaître Dieu davantage, nous devenons plus réceptifs à l'action du Saint-Esprit. En cinquième position, nous devons préparer notre foi. Tu sais, une fois que nous avons prié et recherché la présence de Dieu, il est important de recevoir avec foi. Cela signifie croire que Dieu répond à notre prière et nous remplit du Saint-Esprit selon sa promesse. D'accord frère, merci infiniment pour ces conseils. De rien, sœur. Tu sais, il est à noter que l'expérience du baptême du Saint-Esprit peut varier d'une personne à une autre. Certains peuvent avoir une expérience manquante avec des manifestations spirituelles, tandis que d'autres peuvent ressentir simplement une profonde paix et une présence intérieure du Saint-Esprit. Il n'y a pas de formule magique, mais plutôt une recherche sincère de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. D'accord, merci beaucoup frère Matthieu, pour tout ce que tu venais de me dire. Oh, alléluia, Jeanne. Que tout honneur et gloire soient rendus à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège.